crosse. Et donc, je cherche mes collègues qui sont là. Alors, attention, nous allons la dérousser pour vous. Vous allez, attendez un tout petit peu, hein, les amis. Vous allez être les premiers à la voir, à la découvrir. C'est la première avant-première. Attention, on y va. Ça, là, on fait tous ensemble un petit 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Dites, ça ne s'applaudit pas, franchement, ça. Hein? Je vois ce que vous vouliez dire, pas d'asphalte et pas de circuit, mais plutôt la montagne. Alors, par exemple, mais c'est vrai qu'on est allé chercher tous les terrains autres que l'asphalte, que ce soit la terre ou ici la neige en cette saison. Et donc, on est parti du 910, on a rehaussé la voiture, augmenté la garde au sol de 9 cm. On a élargi la voiture de 9 cm également. On a mis des roues plus grandes et puis voilà. Et on est venu vous présenter, et donc c'est ce type de produit qu'on travaille en interne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre, Patrick Marinoff, notre nouveau directeur général, est arrivé. Il a vu cette voiture dans l'atelier, il nous a dit « mais c'est super, il faut la montrer ». Voilà, c'est un objet, ça prouve vraiment tout ce qu'on peut faire avec une 110. Et il y en a ici ce soir. International était là pour la montrer en avant-première. Merci beaucoup à lui. Je suppose que quand vous voyez qu'elle est comme ça, immédiatement photographiée, filmée, ça vous fait plutôt plaisir. Hein. Oui. Et voilà, c'est un terrain de jeu sublime. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est que maintenant, on comprend tout de suite le lien aussi de parenté et la référence. Donc, à la 110, donc là, c'est 1800. Et juste ce débit, voilà, qui est de 1972. Et qui est très rare et très belle berlinette de rallye, et qui avait déjà les ingrédients d'une voiture élargie, rehaussée. Et voilà, et on montre à chaque fois que notre patrimoine, c'est une source d'inspiration inépuisable. Et oui. Et voilà, ça donne un très bon cadeau ce soir. En sachant d'où elle vient, pour encore mieux savoir où elle va. Merci beaucoup à vous, Anthony. Merci, Albin. Et je vous laisse encore, pendant la fin de cet apéritif, savourer évidemment cette première du festival automobile international. A tout de suite dans quelques minutes pour le lancement officiel de la soirée de remise des prix.